Eh bien, yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer comment mettre ceci. Alors, c'est parti. Donc les gars, il va tout simplement falloir se rendre sur Google. Du coup les gars, il faudra taper Gamepad Viewer. Du coup, le lien il sera en description. Ensuite les gars, nous allons tout simplement cliquer sur le premier là. Ensuite, ça va nous afficher une petite page orange. Il va falloir tout simplement connecter la manette à votre PC. Du coup, voilà. Dès que vous faites bouger les joysticks ou n'importe quoi, ça va vous afficher ça au-dessus. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur None. Ensuite, Player 1. Voilà, du coup là, ça vous met une manette. Mais nous, pour ceux des Xbox, bien sûr, vous allez laisser ça. Pour ceux qui ont une Xbox blanche, vous allez mettre ce que je vais vous montrer. Du coup, vous allez ici, Xbox One White. Ensuite, ça vous met une manette blanche. Mais nous, pour l'instant, nous avons une manette PS4. Du coup, nous allons mettre comme Zfar celle-ci. PlayStation 4 White. Et voilà. Du coup, comme Zfar met ça, il met tout le temps cette manette en live. Et du coup, ensuite, voilà, vous pouvez bouger la manette, etc. Mais attendez, avant de partir, vous savez pas encore comment mettre sur OBS. Donc, tout simplement, vous allez aller ici. Ensuite, vous allez descendre sur Général URL. Ensuite, bah, du coup, comme on a choisi Player 1. Ensuite, nous allons ici, là, il est mis Xbox One. Nous, c'est pas une Xbox One. Nous, c'est pas une Xbox One qu'on a, mais c'est une PlayStation 4 White. J'ai une noire, mais après, noir ça fait pas stylé, je vais vous montrer. Voilà, noir ça fait pas trop stylé, c'est voilà, mieux, c'est mieux blanche. On remet tout de suite blanc. On riva ici, on reva ici, général URL. Ensuite, vous allez bien sûr sur Player 1. Vous allez dans Choses à skin. Vous cliquez dessus, vous mettez PlayStation 4 White. Ensuite, vous allez faire ici copier le lien. Ok, du coup, ça vous met directement copié. Ensuite, bah, vous pouvez tout fermer. Du coup, on y va tout de suite sur OBS. Ensuite, sur OBS, vous allez cliquer ici. Vous allez rajouter dans navigateur. Dans navigateur, vous allez marquer ce que vous voulez. Perso, je vais marquer manette. Manette. Ensuite, vous allez faire OK. Ensuite, ça va vous mettre ceci. Du coup, que vous verrez un truc comme ça. Voilà, moi je vais rétrécir pour que vous voyez. Ensuite, bah, vous allez tout simplement supprimer l'URL qui est ici. Vous allez faire clic gauche, paste. Ensuite, les dimensions, largeur, etc. Vous allez laisser le CSS personnalisé. Vous allez laisser OK. Voilà. Du coup, après, voilà, ça c'est la manette. Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Perso, je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Ensuite, vous allez tout simplement bouger les joysticks ou n'importe quoi de la manette. Perso, je vais faire voilà. Et après, elle est directement connectée. Du coup, après, bah, comme si on voulait faire comme Zfar, je sais pas où il la met lui, à droite ou à gauche. Hop là, vous la mettez ici et hop, vous jouez à votre jeu, hop, vous jouez. Bref. Moi perso, je vais l'enlever parce que moi je l'ai déjà dans mes streams. Du coup, je n'ai pas besoin de la remettre parce que sur les vidéos, j'en ai pas tellement besoin parce que moi je joue pas à la manette, je joue CS. Donc pour ceux qui voudraient savoir comment mettre un clavier souris sur OBS, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars, je ferai bien sûr pour vous. N'hésitez pas à exploser la barre des likes les gars, ça ferait quand même plaisir parce que je vous fais des tutos et quand même les gars. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis ciao et bonne journée.